On est devant Miss France. Eh, merci. Hein. Ma première année de master en école de commerce et j'aimerais plus tard devenir directrice marketing pour une entreprise de cosmétiques. Le soir de mon élection à Cogolin, j'étais... Allez au-dessus quand même. J'y pense depuis des années et ça se concrétise enfin. Allez au-dessus, au-dessus, frère. J'étais passionnée par la géographie et la découverte de différentes cultures. J'ai moi-même des origines un peu variées. Ma mère est serbe croate et mon père israélien-italien. Le concours Miss France a beaucoup de clichés sur ses épaules, mais moi j'ai envie de les balayer. Les temps ont changé. Je suis une fille moderne, spontanée et j'aime parler avec mon cœur. Oh là là là. Et au-dessus. Au-dessus, loin. Ouh. Si c'est pas April qui devient Miss France, je m'appelle pas Ilan. Ah, parle bien. De partage, de liberté et de courage. Merci à tous et bravo à toutes les candidates. Merci mademoiselle. Ah ouais. Alors, ma question. Pouf. Selon vous, quelle est la clé de la confiance en soi? Allez, vas-y. Alors, merci pour cette question. Je pense que c'est quelque chose de très difficile à acquérir. Pardon. C'est pas grave, pardon. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que quand vous l'avez, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà ! Je pense que la clé pour acquérir de la confiance en soi, c'est continuer, persévérer dans voilà. Possible erreur. Et surtout, ne jamais, jamais désespérer et toujours croire en soi, c'est extrêmement important. Merci. Putain, elle avait une question dure, hein. Elle s'en est bien sortie, hein. Ouh là là ! Elle est très, très, très dure, la question. Elle a... performé. Ouh là là, je le vis comme un match de foot, Real de Madrid, Barcelone. Ouh. Vous êtes pas mal à me demander pourquoi je partage April sur les réseaux. Il faut pas chercher loin, hein. C'est juste parce que je la trouve trop belle et que pour moi c'est la plus belle des Miss. C'est juste ça. Chaque année je fais ça. En fait, c'est juste que cette année je suis un peu plus connu que l'année d'avant et l'année d'avant j'étais un peu moins connu qu'encore l'année d'avant, c'est juste ça. Mais c'est juste pour moi la plus belle des Miss. C'est pour ça que je la partage, je la soutiens. Et l'année prochaine, je soutiendrai une autre. Je partagerai une autre. Il y a aussi le fait que quand en fait toutes les Miss sont sorties, bah moi j'aime bien un peu faire des paris, tu vois. J'ai regardé toutes et je me suis dit, je pense que c'est elle qui va gagner. Donc en fait, je mise sur elle. C'est un peu, genre, c'est un peu comme un jeu, tu vois. J'ai misé sur elle depuis le début. Je l'ai mis avant. Comme ça, si elle gagne, ça voudrait dire que j'ai raison. Et moi, je pense qu'elle va gagner parce que c'est la plus belle. Après, peut-être je me trompe, mais c'est un peu comme un... Tu vois, on le fait tous un peu, ça. Troisième dauphine. Qui va annoncer la troisième dauphine? Troisième dauphine. Allez. 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 Mais vas-y. Troisième dauphine. La troisième dauphine de Miss France 2021, la Miss Alsace. Allez, allez. On est dans les trois dernières là. Là, c'est... là maintenant c'est Normandie. Normandie. Là on dit sur ah, ouais. Là, Normandie. Ouais, ou Côte d'Azur, mais non. Pas Provence, frère. Normandie. On est dans les trois là. Je vais pleurer. La deuxième dauphine. Deuxième dauphine. Normandie ou Côte d'Azur. Et Miss Côte d'Azur. Oh putain. Oh là 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 là. Oh putain. Oh putain. On est dans le show. Ça va passer de bon. Provence. Allez. Allez, allez. Allez ma belle sœur. Ça peut pas être Normandie. C'est impossible. Allez. Allez. Je
Suspense. Suspense. Allez, Miss Provence. Là, il dit Miss France, il dit quoi? Attends. Putain. Miss Provence. J'ai le cœur qui bat, frère. Je vais me faire une crise cardiaque. Allez. C'est plus des roulements de tambour. Allez. 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 Calm down, bro. Allez. Allez là. Allez. Putain! Oh merde! Par contre. Non, c'est pas normal, frère. Abusé. Non! Toute la France est sur le cul là. Ça avait rien. Elle était 10 fois plus belle. Franchement, on a vu ce que c'est. C'est Oh la déception, frérot. Je vous dis la vérité. Et autant élire Wallis, quoi. Non. Hey, franchement, je vous dis la vérité, on est tous là. On est tous dégoûtés. On est sur le Non, mais je veux pas dire, elle méritait fois 1 milliard. À la limite, contre Côte d'Azur, tu sais, ça pouvait et jouer encore. Mais pas contre Normandie, frérot. N'importe quoi. Abusé, frère. Je suis au bout de ma vie. Ici, c'est 4h du matin, 4h30 du matin. Mais quand je vois ce que certaines personnes marquent sur Twitter, mais moi, ça devrait être condamné. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en France, il y a un énorme problème. C'est que les gens peuvent trop dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sans que ce soit condamné. C'est pas normal. Vous pouvez pas laisser quelque chose de comme ça. J'en perds les mots. Des commentaires comme ça, des tweets comme ça, ça ne peut pas arriver. Et la France, elle est raciste. C'est pas que contre les Arabes, c'est pas que contre les Noirs. Hein. Contre les Juifs, on en parle. Quand je vois une France comme ça, là, je le dis et je le pense du fond du cœur. Heureusement, je suis parti de la France, j'ai quitté la France et je suis content. Ça va ? Je suis content d'avoir quitté la France quand je vois. Mais c'est quoi ça ? Vous savez qu'ici, à Dubaï, même sur les réseaux sociaux, vous en parlez du fait que je suis dégoûté parce que pour moi, elle aurait dû être Miss France. Après, c'est mon avis. Mais des commentaires comme ça, ça veut dire quoi en fait? Aujourd'hui, la France, c'est de tout. Aujourd'hui, tu peux être tunisien et français, tu peux être algérien et français, tu peux être africain et français. Tu vois, être français, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est être né sur le sol français, tu es français, c'est tout. Donc si tu es italien, d'origine, portugais, juif, t'es français. Quel rapport? Pourquoi aujourd'hui il y a des commentaires comme ça? Je trouve ça pas normal. Moi je me sens concerné, hein. Je suis concerné, hein. C'est pour ça que je prends la parole un peu pour tout le monde, hein. De cette communauté. Donc je prends la parole. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Je vais me coucher, je trouve ça dégueulasse. Je dis la vérité avant d'aller dormir parce que ça me met hors de moi les atrocités que je vois sur Twitter. Mais c'est pas normal. Ça devrait être puni par la loi. Incroyable, ça devrait être puni par la loi. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, les amis, je suis avec mon pote le chameau. Hein? Eh mon frère! Ah mon frère! Aïe! Il est plus mort! Bon les gars là, c'est vraiment mis bien. Cannabis. Oh Habibi, fais-moi descendre mon frère. Eh merci la zone. Eh merci la zone hein. Ah ouais, c'est pire que le Raptor. Oh là frérot, il va descendre. On va se mettre vraiment bien. Ah ouais, il va descendre. Oh putain! Oh! 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 Oh!
Hey, merci la zone. Bon, allez. T'as dû faire un smack. Bah non, je vais pas te promettre Stéphane. Tu nous as fait des horreurs là sur les réseaux. Tu nous as fait des horreurs là. Eh oui, France. On est d'accord, on est d'accord que ça devait être après le pigal. Trop grand pas. Je fais du bif et je me débrouille toute seule. Ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. I like it, I love it. On a mon axe, on fait du show, papache. Voilà. Avec les... Global Village. Three. Oh putain de fou. Suri. Alors on dirait un crabe. Ah bah voilà, c'était chiant. C'était chiant justement parce que j'ai peur. J'ai bien fait de pas le faire, regarde tu prends. Moi j'aime pas les manèges comme ça. J'ai peur, j'aime pas. J'aime pas.